Sur les dernières semaines de la saison 2021-2022, Manon s'est destinée à un nouveau départ dans Demain nous appartient sur TF1. La fille d'Aurore et William s'est découvert une vocation en effectuant un stage au commissariat. Manon déchante avec Nordine sur TF1. Manon, Louvia Bachelier, a décidé de passer le concours de gardien de la paix. Pour cela, elle a pu compter sur le soutien de Nordine, Youssef Agal, le collègue de sa mère, Aurore, Julie Desbazac, au commissariat. Au fil des révisions, Manon a développé des sentiments amoureux envers Nordine. Elle a déchanté en découvrant que le fils de Martin, Franck Monsigny, était en couple avec Sophie, Carole Bianic. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Manon ne parvient pas à renoncer à l'idée de se mettre en couple avec Nordine. Sous les conseils de Charlie, Clémence Lassola, elle décide d'attiser sa jalousie en se rapprochant de Valentin, Thibaut Catéline, plagiste à la paillote. Nordine débarque et est surpris de voir Manon aussi complice avec Valentin, mais fait mine que ça ne l'atteint pas. Manon estime que son plan n'a pas eu le succès escompté. Elle déplore qu'il n'ait eu aucune réaction alors que Valentin lui mettait de la crème solaire. Charlie invite Manon à profiter des plaisirs de la vie. Elle l'incite à écarter Nordine et à se rapprocher davantage de Valentin. La fille d'Ognier se laisse convaincre. Alors que Nordine se montre distante envers Sophie, Manon accepte d'aller dîner avec Valentin. Valentin embrasse Manon dans Demain nous appartient. Valentin a mis les petits plats dans les grands pour parfaire son pique-nique avec Manon sur la plage. Le plagiste de la paillote de Charlie et Sylvain, Arnaud Henriet, se livre. Il confesse qu'il aime plaire et séduire. Valentin indique à Manon qu'il est tombé sous le charme dès qu'il l'a vue. Le jeune plagiste prend ensuite les devants et embrasse Manon. Cette dernière ne le repousse pas. Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi à 19h15 sur TF1. Nah.